Bonjour, je m'appelle Maggie Piranda, je suis écoutante à SOS Amitié Besançon. SOS Amitié est une association de bénévoles qui écoute 24 heures sur 24 des personnes en souffrance. À Besançon, nous sommes 45. Sur la France, nous avons 1600 bénévoles qui entendent environ 700 000 appels par an. En fait, au congrès de Nancy en 2014, nous avons pensé qu'il fallait que nous prenions notre part dans l'organisation de ces congrès tous les 3 ans et nous avons proposé la candidature de Besançon parce que la ville et ses alentours et le Doubs nous semblait vraiment tout à fait une région intéressante et la ville se prêtait bien, nous semblait-il, à l'organisation d'un congrès. Et donc la candidature a été acceptée. Dès 2015, nous avons constitué une équipe de 5 personnes chargées d'organiser un peu ce congrès. Nous nous sommes tout de suite tournés vers l'Office du tourisme, puisque nous avons déjà fait appel à l'Office du tourisme pour le dépôt de candidature. Et là, l'Office du tourisme nous a orientés aussi vers Doubs Tourisme pour organiser aussi la logistique de ce congrès. Des rencontres régulières nous ont permis de définir le contenu du site de réservation, les modalités d'inscription et la gestion financière, la réservation en ligne des chambres d'hôtel et la restauration ainsi que le dîner de gala. Cette collaboration nous a apporté une aide très importante, un suivi régulier des inscriptions, une prise en charge continue des réservations, y compris de dernière minute, une aide précieuse dans le règlement des factures. Pendant toute la phase de l'organisation et pendant le congrès, nous avons bénéficié d'une écoute permanente et bienveillante, d'une assistance efficace de la part des équipes de Doubs Tourisme et de l'avis unanime des 300 congressistes qui ont été séduits par la ville, ce congrès fut une réussite. Et je tiens une fois encore à dire merci à tous.